Camilo Anthony, qui est chargé de la cellule de communication de l'OIT. Vous appartenez à un mouvement de soutien francophone, parce qu'on peut savoir le nom de votre structure et qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Là, c'est le mouvement du Mboli. Les actions que nous donnons sur le terrain, ça consomme beaucoup. La mobilisation et le militant à la base. Comment le mouvement est structuré? Bon, c'est tout comme les autres mouvements aussi. À la tête, nous avons les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les autres membres. Est-ce que vous évoluez à l'intérieur du pays? Non, le mouvement est représenté partout sur l'étendue du territoire et même à l'extérieur. Vous avez combien de sections à l'intérieur? Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 30 sections à l'intérieur du pays. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez au parti à présent? Non, surtout c'est la mobilisation à la base. Vous faites des sensibilisations et si oui, quels sont actuellement les points à l'ordre du jour? Nous menons beaucoup de sensibilisation actuellement, partout sur toute l'étendue du territoire. Hein. Est-ce que la sensibilisation et l'environnement électoral, ça concerne tout ce domaine? Ça concerne notre domaine. Comme quoi, comme quel domaine? Actuellement, nous savons tous que l'actualité aujourd'hui est basée sur la lutte contre l'Ebola. Sur Ebola, bon. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce cadre-là, la lutte contre l'Ebola? Dans ce cadre-là, nous menons beaucoup la sensibilisation pour amener la population à combattre cette maladie. Surtout comme l'a dit le président de la République, le professeur Alpha Condé, que Ebola est le combat de tous les Guinéens. Est-ce que vous recevez des moyens?